Le 11 février 1858, dans la petite ville de Lourdes, dans les Pyrénées, trois gamines vont chercher du bois au bord de la rivière. Et voilà que l'une d'entre elles, tout d'un coup surprise par un coup de vent, voit une belle dame dans le rocher. C'est l'apparition de l'Immaculée Conception à Bernadette. Et chaque année, à Lourdes, au moment de ce 11 février, les responsables de pèlerinage se retrouvent normalement pour préparer la saison des pèlerinages. Car vous savez combien Lourdes a pris une grande beauté, une ampleur, avec cette dévotion à Marie qui nous renvoie d'ailleurs sans cesse à son Fils. Lourdes, c'est un lieu privilégié pour les malades. Bernadette elle-même était malade, elle souffrait d'asthme. Bernadette a voulu que les malades puissent venir jusqu'à Lourdes. Nous savons aussi que l'eau que Bernadette a trouvée au fond de la grotte était une eau miraculeuse, puisqu'il y a eu des guérisons très vite, alors que les apparitions venaient à peine de commencer. Penser aux malades, les soutenir, montrer qu'ils ne sont pas seuls et les aider à faire de leur vie une vie qui se donne comme celle de Bernadette, voilà tout l'élan du pèlerinage à Lourdes. J'espère que cette année, malgré l'épidémie, nous pourrons aller à Lourdes avec le diocèse. Malheureusement, l'an dernier, nous n'avons pas pu le faire, mais puissions-nous nous réjouir encore avec Notre-Dame de Lourdes.